Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre en fonctionnement le CMT927 et le BDR91. Tout d'abord, nous allons vous montrer comment fixer et brancher le BDR91. Tout d'abord, introduisez un tournevis en dessous de la face avant. Cliquez, ouvrez et enlevez le couvercle. Vous pouvez donc fixer le BDR91 à côté de la chaudière à l'aide des deux vis ici. Raccordez-le au secteur, donc le neutre ici, le bleu sur le N et la phase sur le L, le fil brun. Et raccordez les bornes A et B, donc sur les bornes de thermostatique de votre chaudière. Refermez le couvercle. L'introduisant dans les charnières et en cliquant pour le refermer. Du côté du thermostat, commencez par introduire les piles comme indiqué dans le compartiment. L'appareil s'allumera et la langue est d'usine en néerlandais. Donc pour changer ça, appuyez sur la flèche thermostat vers le bas, confirmez, donc on est passé en français, on confirme, la langue est réglée. On peut maintenant régler la date avec le plus et le moins. On confirme le mois avec le plus ou le moins, confirmons, et l'année. Ben voilà. Nous pouvons aussi régler l'heure avec le moins et le plus. Nous confirmons. Et les changements ont été effectués et enregistrés. Donc maintenant, déjà, vous pouvez mettre l'appareil en position manuelle et l'utiliser en manuel. Donc nous allons augmenter la température et il fonctionnera normalement. Donc l'ordre a été passé au BDR91. Pour la programmation du CMT927, vous allez avoir une explication complète dans une autre vidéo.